Salut ma famille, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo avec Younes. Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on a un défi vraiment spécial qu'on s'est lancé avec Yacine. On a 5 jours, du lundi au vendredi, pour courir plus vite. On a eu beaucoup de messages, oh, comment on améliore sa vitesse, tout ça. On va le tester sur nous, comme ça vous pourrez voir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. C'est parti mon rey, let's go. Ok, on est au jour 0, donc là ce qu'on va faire c'est que tout simplement on va prendre notre temps de vitesse sur 100 mètres. J'enlève ma veste pour être plus à l'aise. Moi je pense que la vitesse c'est beaucoup génétique, hein. Soit depuis que t'es petit tu cours vite, ou soit t'es lent ou t'es moyen. Moi quand depuis que je suis petit j'ai toujours été un mec ni rapide ni lent. J'ai toujours couru normalement. Mbappé je pense que depuis qu'il est petit il court vite. C'est génétique mais je pense qu'on peut l'améliorer. Donc là Younes il va commencer, j'ai pris un repère. Si vous voyez cette ligne là en face, cette ligne là, je me mets pile poil perpendiculaire. 3, 2, 1, go. Ok c'est parti, c'est lance. On va arrêter son temps et top. 6 secondes 16. T'avais 6 secondes 16. Mais le problème, c'est que pourquoi t'as ralenti à la fin? Ça glisse à la mort. Et pourquoi à la fin tu ralentis? Parce que ça glisse. Regardez, 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 regardez. J'ai un moment, j'ai failli tomber. 6 secondes 16 pour le résultat. Ok. À ton avis, t'as fait plus que moi? 8 secondes, je pense. Tiens, je te laisse regarder. Ah, 6 secondes 10. On a fait quasiment le même temps. J'arrive pas à accélérer. 6 secondes 10, c'est compliqué. Le terrain, il est un peu mouillé, ça fait que de glisser. Et on va essayer d'améliorer ça sur 5 jours. On est au jour numéro 1, c'est l'un des endroits que je déteste le plus. À chaque fois qu'on fait du foot à la prépa physique, on vient ici. Ah ouais. En gros ici, pourquoi on vient ici? Parce qu'il y a des montées. On a d'abord une petite montée ici. Ça permet de travailler l'explosivité parce que c'est sur une courte distance et il faut monter. Et on a ici une plus grande montée qui permet de travailler l'endurance musculaire sur une plus grande distance. Ça c'est très très bien. Celle-là les gars, fait au moins 400 mètres. Donc celle-là, mon frère, elle est très importante. Il va la faire en vélo. Ça pique de ouf. Il arrive même pas à monter. Regardez ça comment pique il lutte. De ouf, ça, regardez, hein, regardez. Regardez comment il pousse. Regardez, c'est un truc de malade. Avec le foot, on devait en faire 12 comme ça, je m'en rappelle. C'est parti, on exécute les ordres de Yacine. Petite montée, ça c'est vraiment pour le départ de la course. Quand vous êtes comme ça, et pour dans les 10 premiers mètres, il faut accélérer. La ligne, elle est là. Ouais. Donc là, je vais devoir me mettre là-bas et accélérer mon max. 3, 2, 1, go. Oh, c'est bien. Vas-y, go. 3, 2, 1, go. Non, c'est pas possible. Oh là, je te promets, j'ai fait 3,98. Moi, bon, non, on va passer aux géantes montées. Là, on a travaillé le départ. Donc, vous faites ça 5-6 fois. Après, vous allez être mort, ça rien de faire plus. Là, on va travailler pendant la course. Vous voyez toute la grande ligne là, c'est important que quand tu fais ça, c'est pas de l'endurance. Ça veut dire quand vous faites une accélération, il faut récupérer jusqu'à que vous avez votre maximum d'énergie. C'est-à-dire si vous devez récupérer 10 minutes, récupérez 10 minutes. Quand tu veux. Ok, c'est parti. Là, vous avez vu qu'il part pas à fond, il part à 80% de sa vitesse. Allez, c'est dur. Pousse, 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 pousse. Je sais que c'est dur. Donne tout, donne tout. Et encore, hein. Il reste le gars de la montée de là-bas là. Je vais pas faire la montée, c'est ma clé. Ça c'est atroce. Allez, 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 pousse, 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 pousse. Super. On n'a pas beaucoup de récup. Oh putain. Les mecs qui font de l'athlétisme ou c'est une botte, il a dit que ceux qui font du foot, ils ont de la chance. Ça c'est horrible ça, vraiment. Pour le jour 1, on va s'arrêter là. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait le meilleur exercice pour progresser en vitesse. Tous ceux qui veulent progresser en vitesse, faites des montées, c'est le plus important dans la vitesse. Vous allez courir plus vite et surtout être plus puissant. On va manger, hein. Si on mange pas, on pourra pas bien courir. Aujourd'hui, on a de la viande, du riz, un truc équilibré, quoi. Pourquoi on peut pas manger des grecs, des tacos? Non, vraie question, pourquoi on peut pas manger des grecs, des tacos, sinon on peut manger équilibré? Bah déjà, pourquoi vous voyez Ronaldo, Mbappé, tout ça, ils mangent des trucs équilibrés? Parce qu'en fait, t'as vu, là, on a couru. Ouais. Nos muscles, ils se sont un peu abîmés, se sont cassés. Ton corps, il a besoin de fonctionner pour demain, Charles, refaire du sport, tout ça. Et pour ça, on est obligé de lui apporter des vitamines, des glucides. Alors que si on mange des grecs, des tacos, il y aura quelques vitamines, quelques glucides, mais il y en aura trop, c'est-à-dire on va grossir. Et il y aura des ingrédients de mauvaise qualité, c'est-à-dire qu'on va faire du mal à notre corps de fou. Hier, on s'est explosé les jambes dans les montées. Et aujourd'hui, on va vous montrer la partie musculation pour courir plus vite. Il y en a plein qui disent musculation. Je fais pas, c'est mort, je vais devenir gros, je vais être lent. Et vous êtes à côté de la plaque. On va faire 3 exercices pour travailler l'explosivité. Vous allez courir vraiment plus vite si vous faites ça au long terme. En gros, le but, ça va être qu'il va descendre en faisant une flexion sans que les talons descendent du sol. Il va remonter en mode explosif pour que comme ça, au moins, ça travaille l'explosivité. Et sur les premiers pas, vous aurez plus de puissance dans les cuisses pour courir plus vite, en gros. Là, il a pas mis beaucoup de poids, mais après, c'est à vous de gérer. Si ceux qui sont débutants ne mettez pas de poids du tout, après, vous allez. Ah, faut pas mettre de poids, ça sert à rien de mettre etc, de poids. Etc. Et après, dès que vous avez fini, vous partez sur un petit truc. Comme ça. Quand on fait les jambes à la salle, il faut toujours être en chaussettes ou avec des chaussures plates.
parce que c'est beaucoup mieux pour travailler. Vous regardez les vidéos, les gens vont vous expliquer pourquoi. Moi, je vais faire un exercice simple. En gros, ça va être des fentes. Tu te mets en équilibre. Fente, 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 fente. Une fois que tu as fait ça, tu vois que ça brûle et que il faut vraiment aller à la brûlure. Ça, c'est pas une question de répétition. C'est dès que ça brûle, t'arrêtes, tu vas te contraindre mieux. Et directement, t'enchaînes. Chaise. Pareil, jusqu'à que ça brûle, jusqu'à que t'en peux plus. Et après, t'as fini. Tu fais le dernier exercice. Dès que vous avez fini ce qu'il a fait, Yacine, vous le faites 4 fois. Là, c'est Sergio Ramos. J'ai copié sur lui sur son Instagram. Avant, il mettait tout quand il jouait au Real Madrid. C'est simple. Vous trouvez un petit calepied. Vous mettez un pied là, un autre pied là. Restez bien en équilibre comme ça. Et là, on va chercher. Tac. Tac. Comme ça, ça vous entraîne à pousser sur une jambe. Vous faites 8 répétitions. Allez, vous posez. Hop. Tac. Tac. Après, quand vous êtes vraiment prêt, vous prenez un pack d'eau ou n'importe quoi et vous, vous mettez le poids comme ça. Il est 23h, là c'est l'heure de dormir. Si vous arrivez à réunir ces trois conditions, la nutrition, le sport, le sommeil, le repos et la récupération, vous allez être comme Cristiano Ronaldo. Donc là, il faut au minimum 8 heures de sommeil par nuit pour pouvoir être bien. Là, on va faire un petit massage avant de dormir et après, c'est parti direction dodo. Oh, tu me fais quel numéro? Éteins ta machine de merde là. Ah, excuse, désolé. Jour numéro 3, Younes, tu vas comment dans le jour numéro 3? Je suis fatigué, Yacine, je te jure, je suis fatigué. C'est le jour numéro 3, là. Je suis fatigué, frère. Tu sais quoi, on va prendre un jour de repos, parce que le repos, ça fait partie de l'entraînement aussi. Écoutez-le, les gars, il a raison, un jour de repos aujourd'hui. Oh, ouais, mais lève-toi, ça veut pas dire qu'on va rien faire. Aujourd'hui, on va vous emmener avec nous, on va aller à Action, le magasin préféré de Mooms. T'as raison, repos, ça fait partie de l'entraînement. Hein. Donc là, en fait, on va aller à Action, le magasin préféré de Mooms. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller acheter des cadeaux. Il va y avoir des beaux cadeaux et des cadeaux un peu pas moins bien, vous allez voir. Viens ici les gars, parce qu'on veut faire plaisir aux abonnés, t'as vu, mais il faut que ce soit rentable. Derrière les prix. 99€. Après, il y a des trucs 9€, il y a des trucs 20€, ça dépend. Encore, je comprends Mooms, hein. Regardez, c'est encore plus incroyable. Est-ce que vous avez Mooms déjà vu ça? Mooms, c'est un baiser, il achète des casques à 2€. Mooms, il a ça? Ouais, des casques à 2€, les casques du McDo. Non, Mooms, fallait au moins prendre celui-là, 16€, il fait un peu zéro. Dis wallah, 2€ le casque de Mooms. Ou sinon, il y a un grec, Théma, un grec, 0,95€. Et après, c'est pas fini, regardez ce qu'on a trouvé encore. Tiens, on dirait, je suis où? Des manettes à 20€, des souris à 2€, des claviers. Tiens, on dirait, je suis où? On dirait, t'es où? Dans le bureau de Jerry, dans les Total Spice, quoi, y a que des gadgets de malade. T'as vu que des gadgets? Regarde, Théma, montre connectée. Ah non, ça, c'est une protection 1€. Stylo 72 centimes. Le stylo combien? 72 centimes. Prends-le, je vais prendre en cadeau troll. Ça y est, on a perdu Younes là. Non, t'as pas le droit de prendre ça, Younes. Il y a que des nouveautés. Non, ouais, mais t'as pas le droit. Alors, juste quoi? Un petit truc en léger, regarde. Ça, c'est. Non, c'est interdit. Avant-dernier jour, aujourd'hui, on va faire une course avec Yacine. Donc là, je prends des forces. J'ai décidé de bien respecter le défi. Donc là, on a des carottes, de la viande, du blé, des galettes de riz, un fruit et une salade. Les reilles, je sais pas s'il est plus rapide que moi. Je sais qu'au démarrage, il peut me fumer et genre en mode en longue distance, je peux l'avoir. Donc en vrai, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait de course. On n'a jamais fait de course vraiment de notre vie en fait. A few moments later. Faire une course, c'est sûr, je vais le fumer. Oh, obligé, je vais le fumer. Younes, oui. Toi, tu vas battre Ronaldo. Mais non, mais je peux pas gagner contre ça, c'est pas possible. Il est parti avant les gars. J'ai dit on part à 1, il est parti à 2. Wallah, j'ai pas mal derrière là. Hein? Putain, c'est ça ceux qui font des sprints. Ici là, les muscles, comment ils s'appellent? Les ischio-jambiers. Faut vraiment qu'ils soient solides. Mais t'es parti avant. Demain on va essayer d'améliorer vraiment, notre corps. Vraiment pas. Wallah, Younes, t'as grave mal. Là j'ai trop mal. Dernier jour. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, je vais vous en parler au stade juste après. Et en ce qui concerne la vitesse, c'est pas en 5 jours que vous allez vraiment beaucoup progresser, mais c'est en plusieurs mois, plusieurs semaines. Et la vitesse, c'est beaucoup la génétique. On peut l'améliorer avec l'entraînement, mais c'est carrément 80% génétique. Donc Là, je sais que mon collègue, il est un peu énervé, parce qu'en fait, on vous a un peu menti. On vous a dit qu'on s'était reposé jour de repos, mais il n'y a pas eu de jour de repos. En fait, on avait match avec notre club, et du coup, on n'a pas pu se reposer. Donc hier, il a quand même forcé, et il s'est claqué. Muscle derrière, c'est claqué. Donc moi, ne vous inquiétez pas, je vais battre mon record pour vous et on va finir l'expérience, les reilles. Tu gardes ta première séquence, pourquoi tu gardes pas ta première séquence? Mais tu cours pas. Mais j'ai mal, tu comprends pas, j'ai mal, je me suis claqué à cause de toi là. Vas-y, quand tu pars, je lance. On va te faire découvrir ton truc, est-ce que tu penses que t'as réussi? Franchement, je pense que... Ouais, je pense que j'ai réussi, frère. T'avais fait combien la dernière fois? 6,30, un truc comme ça. Et bah là, t'as gagné une seconde. 5,28. Yes.
incroyable. En plus, en 5 jours, c'est quasiment impossible. Là, je pense que j'avais un peu plus de jus que la dernière fois. Mais en tout cas, c'était incroyable. Lui, Miskin, il s'est blessé, il a pas eu de chance. C'est bien, on voit un mec qui se blesse, un mec qui se blesse pas. C'est-à-dire, prenez le jour de repos, faites pas comme c'est nous. Bien, ouais, c'est bien. Nous, on a eu match et on s'est pas reposé. Donc, prenez des jours de repos dans la semaine. Ah, je suis grave content. Hell de vie. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais aller à la pharmacie là. Proposez vos autres défis dans les commentaires et mettez un like, abonnez-vous. Ciao.